Le rôle de la délégation locale de l'ANA, c'est de représenter l'ANA sur le territoire et de décliner localement la politique nationale. Chaque année, l'ANA, au travers de sa circulaire de programmation, va définir ses grandes orientations, ses grands enjeux pour l'année à venir. Et notre rôle, en tant que délégation locale de l'ANA avec nos partenaires, c'est de pouvoir décliner localement cette politique pour l'adapter à notre territoire. En Ardèche, on a plutôt un territoire rural, un habitat assez diffus, plutôt de l'habitat individuel, des ménages aux ressources modestes qui vivent dans un parc ancien et qui se chauffent avec des énergies chères. On a des enjeux de lutte contre la précarité énergétique, mais aussi d'adaptation des logements au vieillissement parce qu'on a une population plutôt âgée. Et on a également un enjeu de lutte contre l'habitat indigne. En parallèle, on a des collectivités qui sont assez dynamiques, qui se sont bien saisies de l'enjeu de la politique de rénovation de l'habitat privé. Et donc on a une dizaine de programmes sur le département, avec des opérateurs différents, avec des programmes en régie et d'autres animés par des opérateurs. Donc on a vraiment une coopération de ces différents acteurs et notamment au travers des CLA, les commissions locales d'amélioration de l'habitat, qui sont le lieu où on va discuter un petit peu de la politique de l'habitat privé sur le département, décrire notre programme d'action territoriale en Ardèche, quels seront les taux de subvention en Ardèche, quelles sont les règles qu'on se donne et à la fois c'est le lieu où on discute des conventions d'OPA ou de PIG et aussi des dossiers un petit peu complexes, les dossiers qu'on n'arrive pas exactement à faire rentrer dans une case et où on a besoin de trouver une solution, la meilleure solution possible pour le ménage. Pôle Énergie, c'est un acteur associatif qui intervient en Ardèche, qui travaille avec le soutien de l'ADEME, du Conseil Régional et des collectivités sur trois grandes thématiques. Les particuliers avec le dispositif Espace Info Énergie, des ménages en situation de précarité énergétique pour essayer de les accompagner vers une sortie de la précarité. Et ça veut dire aussi qu'on travaille avec les collectivités sur toutes les questions relatives aux politiques publiques de l'énergie, depuis des projets exemplaires jusqu'à des démarches de planification énergétique territoriale. À partir de 2014, on a fait évoluer un petit peu nos pratiques, puisqu'on est le seul point rénovation info-service de toute l'Ardèche, c'est-à-dire qu'on traite tous les publics du département, qu'ils soient éligibles aux aides de l'ANA ou pas éligibles aux aides de l'ANA. On a un travail à la fois de qualification des projets à faire et ensuite d'orientation vers les bons interlocuteurs pour pouvoir orienter au mieux les ménages, ce qui nous a amené à travailler de plus en plus en collaboration avec les opérateurs et avec les services de l'État. C'est une collaboration qui est très positive pour nous parce qu'elle nous amène à rencontrer un large public et puis surtout à trouver du sens à ce qu'on fait dans un contexte de communauté de travail et du coup à être très dynamique dans l'évolution de notre offre de services. Solia Ardèche fait partie du mouvement national Solia, premier acteur associatif dans le secteur de l'amélioration de l'habitat. Nous intervenons sur l'ensemble du département de l'Ardèche, sur les problématiques de l'habitat, la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, la lutte contre la précarité énergétique et la rénovation thermique des logements. On souhaite se positionner en tant que partenaire et pas uniquement en tant qu'opérateur. Et dans ce cadre-là, la collaboration qui a été mise en place a été plutôt bénéfique, notamment sur la mise en place d'outils communs, d'animation, de communication, pour arriver à porter ensemble une culture commune de la question de la rénovation thermique des logements. Et donc on a vraiment des relations très développées entre le PRIS, l'opérateur et la délégation locale de l'ANA, puisque quel que soit le stade du projet, on a vraiment des échanges entre les différentes structures. Par exemple, l'ANA peut apporter une expérience un petit peu sur les autres dossiers déposés, sur les autres pistes de financement. Le point de rénovation info-service, les opérateurs vont vraiment apporter un éclairage technique et nous guider, nous expliquer pourquoi ce choix technique a été retenu. Donc on a vraiment une complémentarité entre les structures et des liens bien tissés qui sont très développés dans notre département.